Où quelle est l'émission? Où quelle est l'émission? Ah, elle est là, elle est là, elle est non, elle est là-bas. À chercher l'émission. Allez, hop, 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 hop. Qu'il est con ce chien, c'est incroyable. Oh, salut les amis, vous êtes là. Oui, j'ai récupéré un clébard. Vous savez, ces petits clébards qui sont tout petits, qui sont très très rapides. Et quand on les met dans les vaisseaux spatiaux, ils ont tendance à manger les champignons. Comment ça, je parle de Cowboy Bebop dans The Big Gimowski? Tout à fait. Et je vous parle de Corgi, donc, ces petits chiens super speed qu'on dirait qu'ils ont été allaités à la cocaïne. Et un fou s'est dit, je vais aller le meilleur des deux mondes, l'arcade, le shmup et le corgi. Et ça va donner Proto-Corgi. Et en avant-première, eh ben on va regarder ce que ça donne en vrai. Pour être parfaitement honnête, je ne sais absolument pas où on va mettre les pieds. J'ai juste entendu dire que ça shmuppait. Donc moi forcément, vous me dites ça shmup, je ramène ma phrase. Et on va donc essayer ce proto-corgi qui est en pré-version et qui devrait pas très tarder à sortir. Nous allons faire une campagne, hein. La brute. J'espère qu'il y a un petit bout de tuto quand même. Oh, ça semble être barré par le tuto. Ça, c'est moi. Oui. Ça va, les objectifs n'étaient pas trop complexes. D'accord, on peut appuyer sur une gâchette pour se déplacer plus lentement. Ce qui indique que niveau boulette, hein, on va être servi, je vous le dis. Alors je peux parler à Bark. D'accord, j'aboie après les objets. J'aurais bien continué à aboyer. Bah oui, tel le clébard idiot. Donc il y a deux boutons. On aboie pour tirer. Et on peut ralentir éventuellement. Elle est très mal placée cette touche de ralentissement. Si les mômes jouent avec ça, avec le fond, le son à fond. Ça va être sauvage. Alors j'ai un nouveau tir, vous avez vu, je chope des bonus. Mais ouais, le corgi qui est droit en permanence, ça va être pénible. Un petit côté Gradius? Non, pas du tout. Ah, y en a qui s'en foutent. Alors le jeu est très très marrant parce qu'il a ses graphismes particuliers à la Parodius un petit peu. Mais pour l'instant il n'a pas l'air super méchant. Et je pense qu'il va pas tarder à révéler sa vraie nature. Dame, les poussées de front sont fortes. Et alors la musique, ça va être top. Il y a plein de Parodius de partout. J'avoue, je comprends pas tout, hein. Pour l'instant, je me laisse guider. Ah, j'ai une méga bombe! Mais je l'ai pas dit dans le tuto, ça, bon sang! Oh, la musique! C'est validé, rien que pour la musique! Passe quand moi? Ah, purée.
Je pense que le jeu va avoir rapidement des adeptes. Parce que le fait de pas se prendre au sérieux avec son chien, j'en jappe de joueurs. Quelle erreur, mais quelle erreur. J'avais prévenu que j'avais fait une erreur, personne m'écoute. Les bonus. Ah, il n'y a pas 2 secondes d'invincibilité pour passer. Ouh, ça va être chaud. Il n'est pas content, je suis. Ouh, qu'il n'est pas content. Ouh là là, ça va barder pour moi. Oh, ça va barder pour moi. Oh, qu'il est vicieux ce passage. Je vais où les gars? Les gars. Là. Et il n'y a pas de sortie. Je suis dans la merde. Ça, c'est moi, et vous vous demandez ce qui est arrivé pour que je devienne un chien mutant qui tire dans l'espace et finisse dans un shmup. Je ne vous le dirai pas. Oui, j'aboie. C'est ce que je sais faire mieux. Ruf. Ah, mon bonus! Il est gentil, il m'attend sur le bord d'écran. Ça n'est pas un corgi mine de rien. Comment ça, on n'entend plus Monsieur K. Je focus les amis, Je vais essayer de vous faire voir loin dans cette dame des jeux. Emmener mon chien se balader dans un nouveau parc situé très très loin. Et du coup, j'essaie de focus un petit peu. Parce que je suis très curieux de voir ce que ce type nous réserve, il est tout barré. Le héros, bah, c'est un chien assez barré lui aussi. Et du coup, ça risque d'être fort. Et j'ai pas du tout le bon tir pour descendre, moi, si je ne trompe pas. Non. Ah, c'est ensemble, là. C'est ensemble. Non, on va se méfier de ça, parce que ça, c'est pas fait. Sachant que l'issue, elle est dessous. On va attendre tranquillement. Qui va tutti, va frutti, dit le vieux dicton italien. Vous connaissez bien. Arrêtez de tirer, jamais, pour moi. Allez, truc tranquille. Oh, le salaud, il m'a tiré dessus. Ah, je passe comment, moi, maintenant? Oh, ah, ah, ah. Sous les gars. J'ai des pièces qui me suivent, je sais pas pourquoi. Alors en fait, le fond du décor, moi j'ai cru que c'était un obstacle, hein, honnêtement.
C'est pour ça que la première fois, je me suis mis un gros gadin, comme on dit dans le jargon technique, un peu. C'est pas bon ça. Je me suis laissé perturber par un rayon. Oh là là. Et il faudrait peut-être une grosse seconde d'invincibilité, ce serait sympa. Même pas sympa, ce serait le minimum syndical, on va dire. Ah, purée. On va pas arriver à voir plus loin dans cette démo. Ah, j'ai la rage. Je vais implorer le dieu du Saint-Montage. Ça pardonne pas ces lasers. Bon bah les amis, désolé, on verra pas plus loin. Et pourtant c'est pas faute d'en avoir eu envie. Ce proto-corgi est perturbant parce que on pourrait le trouver ridicule sur son premier aspect. Et en fait il est parfaitement jouable. On pourrait le trouver bâclé sur son côté gros pixel. Mais en fait vous avez vu comme c'est chargé. Donc ça bouge bien. Du coup, au niveau schmeupitude, ce titre a tout pour être bien barré et aller rejoindre des collections parce que rien que cette démo, avec ses niveaux déjà bien tordus, ça laisse imaginer beaucoup de choses que nous réservent les programmeurs et de grandes frayeurs et de grands passages où on sera prêt à jeter la manette par terre, j'imagine. Playlist, bouton d'abonnement et on se retrouve très bientôt.